المرأة وإنجازاتها على شرف الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني لإبداعات المرأة الذي احتضنته العاصمة الجزائرية. طبعة هذه السنة اختارت شعار حبوب ذهبية، تراث وفنون وأذواق مسلطة الضوء على طبق الكسكسي، هذه الأكلة الشعبية الجزائرية. نلاحظوا أن فيه تنوع في أشكال هذا الأكل، وكذلك الحاجة اللي تخلينا نشوفه أن من جهة كاين سفر لهذا الأكل على مستوى البحر الأبيض المتوسط، لأن نشوفوا أن حتى في إيطاليا كاين هذا النوع من الأكل، وكذلك ما بقاش فقط في محيط إقليمي أو في محيط جغرافي، سفر كذلك حتى على مستوى العالمي. الاهتمام بطبق الكسكسي يعود إلى رغبة منظمي المهرجان في التعريف بهذا الطبق الذي أصبح يحضر ويقدم في جميع أنحاء العالم. C'est une manifestation je trouve très intéressante du point de vue de l'art de la culinaire. Bon, je suis italienne donc j'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup surtout connaître ce que les autres ils font, non? Et nous, par exemple, en Italie, on a les couscous aussi. Dans le côté du sud de l'Italie, la Sicile, il y aura une femme sicilienne qui est tout près des Trapani, qui fera un couscous à la trapanese. المهرجان الوطني لإبداعات المرأة أثبت وجوده على مر الأعوام، فقد جعل من النساء محورا وهدفا وموضوعا. L'objectif du ministère de la culture lors de l'institutionnalisation de ce festival était de mettre en valeur les productions féminines, les œuvres d'art féminines qui très souvent ne sont pas montrées. Comme vous le savez, la femme travaille en intérieur. Et ces produits, très souvent, ne sont pas mis en valeur. L'édition de cette année, puisque nous sommes en train d'en parler, a décidé d'aller vers l'art culinaire. L'art culinaire algérien, vous savez, il est très riche dans la mesure où nous avons une palette de produits qui font partie des ressources naturelles de toutes nos régions. Nous sommes un pays anciennement basé sur une alimentation liée aux céréales. Et donc, vous me dites, vous parlez du couscous comme faisant partie du patrimoine. Bien sûr, il fait partie de notre patrimoine immatériel. C'est un plat qui accompagne l'Algérien dans sa vie quotidienne, de la naissance à la mort. Chaque région donne un nom particulier à ce plat que nous connaissons depuis des millénaires. On l'appelle le couscous, couscousi, le naama, l'aïch, le ta'am, le berkoukis, le berboucha. Berkoukis, c'est une variété de couscous, mais le berboucha, c'est le couscous en général. Ça, c'est un moyen de vous montrer que c'est quelque chose qui est ancré dans la vie des Algériens et des Algériennes, puisque cette transmission s'est faite par les femmes. Donc, si vous voulez, le couscous a toujours accompagné la vie quotidienne de l'Algérien, ce qui fait qu'il est inscrit, j'allais dire presque dans nos gènes, il est inscrit dans nos traditions, dans nos coutumes, c'est donc notre patrimoine immatériel. J'espère qu'un jour on y arrivera, j'espère qu'on fera comme on a fait pour la chaîne de Tlemcen. ربما قد يساهم المهرجان الوطني لإبداعات المرأة في إدراج طبق الكسكسي ضمن التراث العالمي اللامادي لمنظمة اليونسكو. Eh bien, écoutez, je l'espère très fort. En tout cas, je le souhaite vraiment. Tout le monde le souhaite. Ça fait partie de notre patrimoine et il faudrait qu'on puisse réussir à faire ce qu'on a fait déjà pour un certain nombre d'éléments qui font partie de notre patrimoine immatériel. Vous avez entendu parler de l'Imzad, de la Hellil, de la Shedda de Tlemcen. Eh bien, il reste aussi à s'intéresser au patrimoine culinaire.